Hello tout le monde, on se retrouve donc pour le tout nouveau LP, on va dire semi-principal de la chaîne, Yomawari Midnight Shadows, qui est sorti, il me semble, en octobre 2017 et qui semble être le second volet de la même saga Yomawari. Le premier c'était Night Alone. On retrouve normalement les mêmes personnages, donc j'ai pas fait le premier, mais il est dispo sur Steam, il me semble, et sur PS Vita. Donc si celui-ci est vraiment bien, hein, puisque je vais le découvrir avec vous, c'est un petit peu le but de faire ce LP en découverte, on pourra tenter de se faire le premier. Donc en attendant, voilà, on va commencer. Donc le jeu est malheureusement en anglais, hein, vu que c'est Nice Europa qui le fait. La plupart de leurs jeux sont en anglais, donc forcément, il n'y aura pas de traduction FR. Enfin, il ne faut pas non plus être avoir un super level en anglais pour pouvoir le comprendre. C'est bon, et nous allons commencer tout de suite le jeu. On va dire qu'on commence le jeu, c'est déjà assez triste. Hein. En fait, elle explique dans le journal, donc je ferai sûrement la traduction, je mettrai sûrement les sous-titres lors du montage. En fait, c'est bientôt la fin de l'été, elle a perdu son chien. Et donc elle est venue ici l'enterrer devant ce petit endroit qui semble lui tenir à cœur, puisqu'on n'enterre pas non plus... on va dire un chien qu'on aime n'importe où, donc ici, donc il repose en paix ici. Et elle a libéré son second chien, et elle ne semble pas du tout aller bien. Comme elle le dit dans le journal, elle a beaucoup pleuré, forcément, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, quand ils perdent leur chien, c'est assez dur à surmonter ça. Donc appuyer sur R1. Pour courir, ok, en bas on a la jauge d'endurance. L1 pour. Ok. L1, je zoome et je marche. C'est quoi de ça? Ouais, c'est quoi? Ah, il était là.
Alors, quand vous voyez un item, quand vous voyez un item, vous pouvez interagir avec. Un point d'interrogation apparaîtra au-dessus de sa tête. Ok. Quand vous êtes assez proche, le point d'exclamation se changera en étoile. Donc pendant que l'étoile comme ça s'affiche, il faut appuyer sur croix pour pouvoir utiliser le bouton. Enfin, le bouton, utiliser l'objet. On peut s'équiper avec... Je peux vraiment rien faire pour le récupérer. Oh. Franchement, c'est un tutoriel. Il est bien comme tutoriel, mais le début du jeu me, on va dire, me rend triste. C'est à la base, c'est aussi un jeu à moitié, on va dire à moitié, parce que bon, on a l'habitude, enfin, j'ai l'habitude d'en faire. Ce sont des jeux, on va dire, à tendance survival horror. Donc, c'est beaucoup de jumpscares qu'il y a dans ce jeu. Et on peut dire, voilà, il y a énormément de Die and Retry. Donc c'est pour ça que Yomavari est, on va dire, coté comme un jeu assez difficile. Mais ça va aller. Rien que ça, franchement, ça me fend le cœur. On va partir d'ici. On peut le pousser jusqu'au bout. Pour se faire un petit passage, ok. Et on entend toujours les aboiements du chien. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Ah ouais, côté graphisme, ça ne rigole pas, hein. Je vérifie un truc. Ah ouais, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Ah, perso, j'adore. Même les couleurs, l'effet de profondeur, le rendu et tout, franchement. C'est vraiment, mais vraiment magnifique. Rien faire. Je vais peut-être attraper une fleur. What? Ok. Ça annonce la couleur quand même, hein?
Ah oh, je suis désolée, je suis en retard. Aïe, oui. Désolée, est-ce que je t'ai fait peur? Non, ça va. Ok, allons-y. Les feux d'artifice vont bientôt commencer. Bon, c'est une traduction grosso modo, hein. Waouh! C'est vraiment magnifique, hein. Ça a déjà commencé. En tout cas, c'est beau. Alors, cela sera sûrement la dernière fois que nous pourrons regarder les feux d'artifice ensemble. Tu vas bientôt déménager. Je vais être triste quand tu vas partir. Je ne vais pas partir, je ne veux pas te laisser. Haru, je vais rester dans cette ville. Je vais être avec toi pour toujours. De toute manière, ce feu d'artifice. Regardez. Oui. Ah, c'est vrai. Le feu d'artifice est terminé. Yui? Ouais, rentrons à la maison. C'est sombre. Nous pouvons utiliser la lampe torche. Comment on l'allume? Nous pouvons utiliser la lampe torche. Ok, avec le pavé tactile. Jour, nuit, voilà. On va quand même l'allumer. En tout cas, cet endroit ressemble énormément à l'endroit où en fait elle a enterré son chien au début. Y aller.
On a bien vu quelque chose, hein? Ah, ok, je peux. Voilà, ici, voilà la lampe. Voilà. En fait, je peux diriger le faisceau en fait comme je veux avec le joystick de droite. Ok. Bah, c'est quand même éclairé quoi. En pleine forêt, on trouve quand même de la lumière. On peut pas aller, c'est barré. Là, on peut pas aller non plus. C'est un peu flippant. Ouais. Yui, veux-tu tenir ma main? Ouais. Tiens ma main. Allons-y ensemble. Merci. Ah ouais, j'ai oublié. Il faut que maintenir croix pour pouvoir lui tenir la main. Pour que sa force intérieure nous donne du courage. Oh, ça j'aime pas. Logiquement, quand on a ça dans un jeu, il faut courir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'entends une voix bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'entends m'appeler. Voulez-vous aller voir? Ok, j'ai la lampe torche. Voilà, j'ai la lampe torche. Je vais aller voir. Quoi? Va te cacher dans le buisson. Ok. Bon, s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça ne me dérangerait pas de traduire le jeu, enfin de mettre des sous-titres. Bien que ma traduction doit être un tout petit peu bancale. On dirait du sang, non? Qu'est-ce que c'est? La laisse rouge. Qu'est-ce que c'est? Cette laisse. Comment est-elle arrivée ici? Enfin, atterrie ici. Ah, c'est la laisse qu'elle avait donnée en... Enfin, qu'elle avait mis à son autre chien. Ah! Putain, m'a fait peur! Abruti, dégage! Enfoiré! Putain, il m'a fait peur. Eh, ça fait flipper sa mère. Ah la vache. Et pendant ce temps-là, je pensais pas avoir peur d'un jumpscare comme ça. Yui n'est pas encore revenu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Je devrais aller voir. T'as pas de lampe torche. Ah, j'ai mon cœur qui bat encore la chamade. Ah, c'est pas possible. Rassurez-moi, il va y avoir que le jumpscare comme ça. Hein. Un second comme ça et moi je fais un arrêt. La lampe torche. C'est...
la lampe torche que Yui avait. Est-elle... a-t-elle fait tomber ceci pendant, voilà, pendant que je me cachais? Que lui est-il arrivé? Alors, laisse-moi allumer la... Ah! Eh non, eh, sérieusement, je vais pas pouvoir, les gens. Cours comme si ta vie en dépendait. Un buisson. Et puis cours vite en plus. Un buisson. Un buisson. Cache-toi. Ok. Voilà, t'as raison. Oh la vache. Je savais que le jeu faisait flipper, mais quand même pas à ce point-là. Sincèrement, je vais sursauter à chaque apparition ou... Eh, barrez-vous. Ah non, eh, c'est affreux comme jeu. J'aurais dû allumer une lumière. Voilà, ils sont partis. Ok, je reprends mon endurance. Ok. Alors ça va, j'ai quand même survécu, quoi. C'est une statue Shinzo. Et je vais prier pour retrouver Yui. Donner une pièce à la statue, oui. Vous avez offert une pièce. Sauvegarde, ok. Donc les statues comme ça, ce sont nos amis, ce sont les points de sauvegarde. Ok, bah de toute manière, je crois bien que dans ce jeu, il va falloir que courir en fait et se cacher pour éviter les monstres. Est-ce qu'on aurait déjà loupé un objet? Je crois que le premier objet, ça devait être la pièce. Oui, donc ouais. Donc ça, c'est la barre d'endurance. Ok. Bon, on va pas non plus la claquer comme ça parce que je vais sûrement en avoir encore besoin. Voilà. Le problème, voilà, c'est qu'il est toujours proche, hein. En fait, elle ne sort pas du buisson tant qu'elle ne se sent pas vraiment en sécurité. On voit, hein, sur le côté de l'écran qui est là. Bon, il va rester là combien de temps?
si je sors. Voilà. Ah, les cris sont affreux, hein. On dirait qu'il m'appelle maman. Et puis ça, il va bien rester là, hein. Ça va, on va s'en sortir. Ok. Ok, la maison elle est là. Ah ouais, bah on va en faire quand même des choses. Hein. Ma ville. Ok. Bon, ça va aller. C'est juste là en fait le début. C'est le temps de bien se préparer, hein. Et ça va pas non plus popper toutes les 5 secondes, hein. Entre l'autre qui m'appelle maman, l'autre qui veut me dévorer, c'est bon, hein. Je sature. J'adore ce genre de jeu, mais sincèrement, quoi, il y a des limites. Comment dire, il y a des limites à ma peur, hein. On va re-sauvegarder. Je vais donner une pièce. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a le droit seulement à un fichier. Ok. Donc, nous sommes ici. Donc là, de toute manière, je pourrais... Je vais juste voir, hein. C'est que la curiosité est un vilain défaut, mais bon. Je crois que ça s'est fermé. Ok, donc là, ouais, là c'est fermé. Ok. On va pouvoir commencer à un petit peu visiter la ville. Oh non. Toi, t'es vraiment moche, mais ça va, tu fais pas trop peur, mais par contre, tu cours vite, non? Par contre, toi, tu te mets à vite courir. À courir vite, toi. Ah, on a vu le... Voilà. On a vu le petit toutou de... De Yui. Il me semble, hein, que l'autre aussi. J'ai l'impression, en fait, qu'il est là pour nous guider. Bizarrement, hein. Ça va. J'ai l'impression de jouer à un projet zéro. Oui, il était là. Toi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Broken Charm. Bon. On va deux minutes regarder un petit peu la carte. Hein. Donc. En fait, je me suis fait un petit plan parce que oui, j'ai quand même été voir sur internet pour les. Il y a certains objets qu'il faut. Pas que je passe à côté, tout simplement. Et donc, je me suis fait un petit plan
Donc voilà quoi. Moi, mon plan ne ressemble pas du tout au dessin de Haru. Et là, il me semble bien que c'est Haru. Donc on cherche Yui. Donc là, l'objectif, c'est rentrer à la maison. Donc notre maison, c'est ici, là, le petit post-it jaune. Donc on a 2, 4, 4 objets et un graffiti à aller chercher. On va y aller, hein. Par contre, ça j'ai vu parce que ça j'ai vu ça dans un des streams de. Oui, là c'est la maison de Yui. Je me demande si Yui est rentrée chez elle ou quelque chose. Je se demande si Yui est rentrée chez elle. Bon, être rentrée chez elle et l'avoir laissée comme ça dans le buisson. Je trouverais ça un petit peu déplacé de sa part. Yui est parti. Je sais. Je vais laisser une lettre. Comme ça, voilà, elle le verra quand elle reviendra. J'ai laissé une lettre à la maison de Yui. Moi, perso, je la mets soit dans la boîte aux lettres ou sur le pas de la porte, hein. Je devrais rentrer à la maison maintenant. Ok, allez, c'est parti. Souvent, quand ils mettent un point de sauvegarde comme ça, c'est pas très bon, hein, dans les jeux. Alors, je risque de beaucoup regarder la carte. Ok. Abruti. Voilà pourquoi je ne veux absolument pas. Ok, super. Là, on a un monstre. Le problème est que je dois aller voir parce que je dois avoir un autre objet. Toi. Voilà. Donc, j'ai déjà deux objets que je voulais. Donc, ça. Hein. Oui. Hey, je t'ai vu. Hein. Là, les vieux jumpscares quand même. Hein. Une vieille pièce de puzzle. Donc là, on est où? On est ici. Alors, sur mon plan. Tac, ok. Toi, tu bouges la roue. Ok, c'est pas grave. Je vais te laisser. Par contre, moi, sur mon plan, c'était pas écrit. Ok, donc c'est un graffiti. Une drôle de face. Ok. Ok,
Il ne faut jamais se balader tard ou quelque chose. Ah, il y a un objet, mais je ne peux pas encore l'avoir. Faut jamais se balader tard dans les rues. Bien sûr, on va sauvegarder. Hein. Dans ce jeu, de toute manière, je risque de sauvegarder beaucoup. En fait, certains monstres, on s'attend à les voir débarquer, mais d'autres, pas du tout. Je vais aller voir ici. Un arrosoir. Bon, par contre, c'est quand elle veut l'araignée que... Voilà. À mon avis, je pourrais pas tout avoir tous les objets là. Sérieusement, quoi, ça m'a fait flipper. Eh, faut arrêter. Eh, je sais même pas si je vais faire un second épisode. Hein. Ce jeu veut ma mort. Hein. Comment je vais faire pour terminer ce jeu? Ok. Ça va. Toi, par contre, voilà. Je vais. Je rentre chez moi, hein, t'inquiète pas. Je suis finalement rentrée à la maison. Oui. Je crois savoir où elle est allée. J'espère la revoir encore. Oui, je veux sauvegarder. Où suis-je? J'étais. J'étais poursuivie par quelque chose dans la montagne. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce cas, je devrais rentrer à la maison. Ok, ben tu rentreras à la maison la prochaine fois parce que nous allons nous arrêter sur cette petite sauvegarde. Hein. On reprendra la prochaine fois ici hein, avec Yui. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ce jeu ne vous aura pas fait trop peur. Hein. Moi, perso, je peux vous dire que j'ai super peur. Alors, j'ai eu quelques petits coups de frayeur à certains moments, de toute manière ça s'est entendu. Je pense que le faire en découverte en fait c'était pas vraiment une bonne idée. Ok.
Je regarde un petit peu hein, son petit menu. Alors, on a deux inventaires complètement séparés. Ok, donc on saura que la prochaine fois, il faudra aussi rentrer à la maison, hein. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite, enfin pas trop non plus, pour la suite de notre aventure sur Yomavari Midnight Shadows.